semble que tout va bien de votre fille, les gars. Aujourd'hui, on va se retrouver comme à chaque début de saison, les gars, pour une présentation de mon casier à 0€. J'espère que je vous ai pas trop brutalisé parce que je me suis donné à fond aujourd'hui sur l'intro. Ma voix va beaucoup mieux, je me sens bien et ça fait plaisir, les gars. Donc allez, les gars, par quoi on va commencer? On va commencer par les revêtements. Les revêtements, je crois, on m'en avait acheté, ouais. Attends, je veux qu'il y ait la brute, c'est plus stylé. Voilà. Alors, regarde-moi ça. Gros, j'ai remarqué, tous les revêtements passent bien sur la brute. Regarde, celui-là, même rose comme ça, gros, c'est stylé sur la brute. Il y a tout qui passe. Et du coup, il y a celui-là, Négos. Négos, c'est Pilou qui me l'a acheté. Pilou qui m'a régalé. Très stylé aussi, il passe super bien sur la brute. Mais regarde-moi ça, gros, il y a tout qui passe sur la brute. Tout. Même celui-là, gros, il y a un petit design, il y a un petit style. Tempête. Tempête, gros, je trouve sur les armes, c'est pas beau, mais même sur la brute, c'est stylé. Il y a un petit style. Oh, celui-là aussi, c'est Pilou qui me l'a acheté, je crois. Si je me trompe pas, c'est Pilou aussi qui me l'a acheté, celui-là, très stylé. Sur les armes, il est un petit peu plus stylé que sur la brute. Voilà, les gars, je vous montre vite fait un petit peu comme ça ce que j'ai rapidement. Si vous voulez vraiment plus en détail, les gars, je ferai. Vous avez qu'à voir les anciennes vidéos présentation de ma box. Je ferai un peu moins en détail parce qu'à chaque fois, je vais faire des vidéos assez courtes et elles durent plus de 20 minutes. Enfin, presque 20 minutes, quoi. Donc, bon, on abuse un peu, quoi. Celui-là, par contre, il est dégueulasse. Celui-là, gros, c'est le seul revêtement qui est vraiment dégueulasse sur la brute. Allez, les gars, on enchaîne. Alors, niveau balle, voilà, ça a pas beaucoup changé, je crois, niveau balle. Il y a juste sa tête qui a... Et surtout le ballon. Voilà, le nouveau truc. Sinon, ça a pas changé. Le disco volant chic. Les tags, on s'en bat les couilles, les gars. Je pense qu'on s'en bat les couilles. Les emotes, on s'en bat les couilles, les gars, aussi. À part, voilà, mes préférés. Hop, celui-là. Celui-là, c'est pour faire comprendre à un mec avec qui je veux faire une vidéo je trouve l'âme sœur sur Fortnite, que je suis ça un mec sympa et que je veux aller loin avec lui. Mais ça. Ensuite, niveau danse, les gars. Niveau danse, il y a pas mal de trucs, je pense, à montrer. Pilou, il a régalé, là, aussi. Pilou, il a refait le stock. Pilou, il est incroyable. Pilou, il régale. Je vous les présente toutes, comme ça, un peu vite fait. Celle-là, je l'aime bien. Ah, attends, mais celle-là... On me l'a pas acheté, celle-là? Je sais plus, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que c'était dans un pass de combat. Coup de pilon, celle-là c'était Alex qui me l'avait acheté. Clap des pieds, première danse que j'avais acheté. Appel au combat, voilà, appel au combat, on me l'avait acheté, je crois. Attends, on me l'avait acheté ou c'est moi qui l'avais acheté? Je crois pas que c'est moi. Franchement, je vous déconseille d'acheter les danses à 200 V-Bucks. Et je crois pas que c'est moi parce que je les achète plus. Mais c'est pas Pilou qui me l'a acheté. Putain, c'est qui? Le frérot qui me l'a acheté, si tu vois cette vidéo, ben dis-le moi parce que c'est vrai que j'ai oublié qui c'est qui me l'a acheté. Je crois pas que c'est Pilou. Une bonne suée, c'est moi qui me l'avais acheté à l'époque. Je crois que j'avais même pas le pass de combat à cette époque-là. Premier pass de combat, c'était Yanis qui me l'avait acheté. Imperia. Posture du dragon, ouais. Du cours. Extraterrestre. Extraterrestre, c'est Pilou qui me l'avait acheté. Non mais je vais beaucoup dire Pilou dans cette vidéo parce que Pilou, il m'a acheté tellement de trucs. Il est incroyable, Pilou, il est incroyable, il me régale, Pilou. C'est un mec à marier, c'est un mec en or. Je l'aime beaucoup, en plus, extraterrestre, il est très sympa. Ok, ouais, tout ça, vous connaissez, les gars. Ça date un peu. Je passe un peu plus vite. Ok, Boogie Down. Manjaz, les gars, on va pas se mentir. Qui est sûrement l'une des pires danses du jeu. C'est Robinson qui me l'a acheté. Mais c'est justement parce que c'est quelqu'un qui me l'a acheté que ça me fait grave plaisir, là, énormément de valeur. Donc elle, c'est pour ça qu'elle est en favori. Elle a beau être nulle, cette danse, on va pas se mentir. Elle a beaucoup de valeur à mes yeux parce que c'est un de mes abonnés qui me l'a acheté et ça me fait super plaisir. Exercice Shaolin. Je l'aime beaucoup, elle passe super bien en plus avec le skin du Seigneur. Ça, c'est Pilou aussi, je crois, qui me l'a acheté, si je me trompe pas. Volubile, c'est Pilou aussi qui me l'a acheté. Voilà, Pilou qui régale. Pilou qui est incroyable, je l'aime beaucoup cette danse aussi. Trombone triste, son réaction, PTDR, ça là c'était moi qui me l'étais acheté, 500 V-Bucks je crois. Voilà, hop hop hop, Pilou encore une fois qui me l'avait acheté les gars. Pilou il m'a acheté plein de danses, Pilou son truc c'est les danses. Pour du cerceau c'est une de mes danses préférées aussi. Ok, les favoris et tout, ok ok les gars, allez. Ensuite les traînées, alors, fibre optique c'est ma préférée, celle que je mets tout le temps. Volute, entraîner je crois on m'a rien acheté. Les traînées, en vrai, il y en a pas beaucoup que j'aime. Genre celle-là, j'aime pas. Trèfle, gros, avec ma malédiction, je ne peux pas mettre ça, gros, c'est pire encore. Je suis tellement maudit, c'est incroyable. Ça relève du génie, gros, de la divinité, c'est hallucinant. Papier toilette, un classique. J'aime bien. Voilà, ça c'est nul aussi. Il y a des traînées, elles sont vraiment nulles, je trouve. Gaz d'échappement, c'est pas terrible non plus. Voilà, mes préférés, fibre optique. Je vous montre vite fait, voilà un petit peu ce que j'ai pour ceux que ça intéresse vraiment. Voilà, voilà. Ensuite, les gars, les planeurs. Ah, attends, on se spoil pas parce que là, les planeurs, gros, il y a du lourd.
C'est les parapluies, les gars. Dites-moi un petit peu, quel est votre parapluie de saison préféré? Donc, évidemment que Xorox Lunik, il a fait son top 1 la saison 10, les gars, hein, évidemment. Il est sympa, en vrai, X. Ensuite, le parapluie comme ça, je crois que celui-là, c'est le parapluie qu'on a quand tu fais ton tout premier top 1 ever. Le parapluie saison 3, parapluie saison 5, parapluie saison 4, parapluie saison 8. Celui-là, il est original. Il est original. Alors, celui-là, normalement, c'est le parapluie de la saison 9, non? Il n'y a pas écrit parapluie saison 9, mais normalement, c'est celui de la saison 9. Il est sympa, il est pas mal aussi, je l'aime bien. Parapluie saison 7 et... Oh, parapluie saison 2. Ça veut dire, les gars, j'ai commencé le jeu à la saison 2. Putain, tu vois, j'étais même pas au courant. C'est vrai, en fait, à l'époque, la toute première fois, moi, que j'avais joué, les gars, j'avais joué sur mon ordinateur. Mais mon ordinateur, gros, c'était injouable. Mais je... Oh, t'imagines même pas. Tu peux être Tixi, Tixstar, mon Graal, mes couilles, tout ce que tu veux, mon gars. Tu pouvais pas jouer. J'avais 5 FPS. Quand je bougeais, gros, je me téléportais non-stop. C'était tout le temps comme ça. Parce que mon ordinateur, il est pas assez performant. Alors, t'imagines, il est pas assez performant pour faire tourner Fortnite, s'il te plaît. Mais du coup, je m'étais quand même démerdé pour faire un top 1. C'était en squad, j'étais tombé sur une squad de joueurs d'anglais hyper sympa. Et ils étaient hyper forts. Aucun d'entre eux était mort. J'en revenais pas, gros. Et j'étais vraiment tombé sur la bonne squad pour une fois. Et c'est grâce à eux que j'avais fait top 1. Mon top 1, il a pas vraiment d'histoire parce que j'avais fait 0 kill. J'étais une grosse sous-merde. Ils avaient tout fait. Mais j'étais vraiment tombé avec des mecs hyper forts. Et franchement, malgré tout, faire top 1 avec mon PC, gros, ça relève du génie, gros. C'était impossible, t'imagines même pas. Du coup, saison 2, c'était sûrement avec mon PC. Et saison 3, je pense que c'est à partir de là que j'avais commencé avec mon iPad. À partir de là, gros, j'étais puissant dans le game. Je m'étais imposé. Ah, franchement, mon gars, au début que j'avais commencé Fortnite Mobile, les gens, ils galéraient tellement. J'étais vraiment un des maîtres. À chaque game, gros, je faisais un top 1 8 kills minimum. J'étais vraiment un boss. Là, aujourd'hui, les joueurs mobiles, franchement, c'est plus que c'était à l'époque. Ils sont très, très forts. Ils sont très, très forts. J'ai beaucoup plus de mal qu'à l'époque à faire top 1. Et puis, en plus, le jeu m'a pas mal saoulé ces derniers temps. J'ai très peu joué, donc j'ai perdu énormément de level. Là, je commence à remonter un petit peu. Ça fait plaisir. En plus de voir les BF du Xoxo Tournament, mais j'ai l'impression que ça me rend plus fort, vraiment, gros. Donc voilà, donc mon préféré, je dirais celui de la saison 3, parce que il est stylé déjà, et c'est à partir de là que j'ai commencé à devenir vraiment un boss et à vraiment mériter mes top 1. Donc je dirais saison 3, le X, il est sympa en vrai, et celui-là il est original, et celui-là aussi il est pas mal, voilà. Voilà pour mes préférences, dites-moi un petit peu celui que vous préférez, les gars. Ah, il y a celui-là aussi, saison 6, je l'ai pas dit, j'aime pas trop. Ensuite, il y a les planeurs comme ça, les gars. Franchement, on s'en bat les couilles de ces planeurs-là, je pense que plus personne les met. Le personnage, les gars, que j'avais acheté avec le skin du seigneur. Voilà, pour le revêtement. Très stylé aussi, il est sympa. J'aime bien quand tu le déploies. Ensuite, le riposteur, il est sympa. Voilà, celui-là, le truc gratuit que tu peux offrir à la Saint-Valentin. Nuée noire, j'aimais beaucoup à l'époque, c'était dans le pass de combat. Je sais plus de quelle saison, la 6, je crois, quand c'était Halloween, tu sais. El Turbo, ouais... Ok, celui-là, truc des Avengers. Il est sympa. En plus, il y a une sorte de trou noir derrière quand tu l'ouvres en game. Mais il est trop gros. Et moi, les gars, j'aime bien les petits planeurs, comme voilà, le personnage. Ou du coup, on arrive au chef-d'œuvre, les gars, au chef-d'œuvre de cette vidéo invocation. Vidéo invocation, gros, putain, je me crois sur Dokkan, qu'est-ce que je dis. De cette vidéo présentation de casier, les gars. C'est le dernier truc qu'on m'a offert. Offert par Nicolas du Snapchat de la chaîne, les gars. Le faucon. Aïe, 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 il est stylé, il est magnifique. Il est incroyable, mon gars. Le faucon, c'était vraiment un de mes gros coups de cœur. Il était incroyable, le faucon. J'ai eu deux coups de cœur où j'étais prêt à claquer tous mes V-Bucks pour l'acheter. C'était le ninja du grand froid, où je l'avais claqué tous mes V-Bucks, et le faucon. Maintenant, les gars, je vais vous raconter la petite anecdote pour le faucon, en fait. Il y avait le faucon, j'avais enfin réussi à réunir les 1500 V-Bucks. Je l'avais déjà en vue, le faucon, depuis un moment, mais j'avais pas eu assez de V-Bucks. Là, je les avais, les 1500 V-Bucks, j'allais me l'acheter. Et il y a Pilou qui m'a contacté sur le Snap et il me dit « Est-ce que tu peux me dépanner et m'acheter la buteuse implacable ?» Et gros Pilou, avec tout ce qu'il m'avait acheté, tous les V-Bucks qu'il a mis et tout pour moi, en plus avec le code créateur Xorox, je pouvais pas lui refuser ça. Je pouvais pas lui refuser de lui acheter un skin après tout ce qu'il m'avait acheté, bien que c'était mon coup de cœur, le faucon. Et du coup, je lui ai acheté la buteuse implacable à 1200 V-Bucks. Il m'avait dit qu'il me rembourserait en m'achetant le pass de combat d'ailleurs cette saison. Qu'il a toujours pas acheté parce qu'il est en vacances. Bouge-toi d'ailleurs de me l'acheter, Pilou. Parce que là après, si ça se trouve, je vais arrêter le jeu. Hein, si je pue trop la merde, si les familles gitanes m'énervent. Et j'aurais pas pu tout débloquer. Et du coup, les gars, pour revenir à l'histoire, je lui avais acheté le skin. Et du coup, j'ai pas eu le faucon.
Et je m'étais dit, va falloir de nouveau que j'ai 1500 V-Bucks pour m'acheter le faucon. Mais entre temps, il y a Nicolas qui est arrivé sur le snap. Et Nicolas, gros, il se pointe, il me dit quoi? Il me dit, gros, il y a quoi qui te fait plaisir dans la boutique, je t'achète ce que tu veux. Là, gros, mais tu dis, quand il y a un mec qui vient, il me dit ça, t'as les yeux en or, gros, tu dis, what, qu'est-ce qu'il me dit, lui, il me régale et tout. Et c'était super sympa de sa part. J'avais pas voulu abuser, donc pendant longtemps, mais je lui ai rien dit, je lui ai pas dit ce que je voulais qu'il m'achète ou quoi. Mais quand il y a le faucon qui est revenu, gros, j'avais que 1000 V-Bucks, hein, regarde-moi ça, gros, j'ai que 1000 V-Bucks. Je me suis dit, il peut pas me passer sous le nez encore une fois. Et du coup, gros, quand il y a eu le faucon et que j'avais pas assez pour l'acheter, je me suis dit, je vais aller voir Nicolas. Je contacte Nicolas sur le snap, je lui dis, gros, tu te rappelles quand tu m'avais dit, il y a quoi qui te fait plaisir dans la boutique, je t'achète ce que tu veux. Et ben là, gros, il y a le faucon. C'est mon plus gros coup de cœur du jeu, encore plus que le ninja du grand froid. Est-ce que tu peux me l'acheter? Et Nicolas, gros, il a tenu parole. Le jour même, gros, Nicolas, bam, il fait péter 1500 V-Bucks. Et il m'achète le skin du le planeur du faucon, les gars. Il est magnifique, c'est mon énorme coup de cœur. On le redéploie parce que il est magnifique quand tu le déploies. Pourquoi j'aime autant ce planeur? Déjà, j'adore les faucons, c'est super stylé. Mais surtout, en fait, comme vous savez, du coup, comme je l'ai dit, j'aime les planeurs où tu arrives à bien voir devant toi. Genre les gros planeurs comme ça, j'aime pas. C'est trop visible et tout, c'est pas assez cramé. Le faucon, il est fin, il est visible. Tu peux voir et tout autour. Malgré tout, ça gêne pas, bien qu'il soit assez imposant en vrai. Hein, il est assez gros, mais il est fin. T'as la visibilité. Et en plus, il est hyper stylé, donc vraiment, je l'adore. Allez, maintenant, les gars, on passe aux pioches. Bon, les pioches, on va faire rapidement parce qu'en plus, j'en ai jamais acheté. Ah si, non, j'en ai jamais acheté. Et on m'en a jamais acheté. Donc, j'aime bien les doubles trucs, là, les haches comme ça. Voilà, je vous montre vite fait, les gars. Vous pouvez mettre sur pause et regarder vite fait. Celle-là, voilà. J'ai tout ce qu'il y a, en fait, dans les passes de combat, les gars. Celle-là et celle-là, c'est mes pioches préférées. Celle-là, surtout. Celle-là, c'est vraiment ma pioche préférée. En plus, même le bruit, je l'aime bien. Tu vois, ça fait un peu faux et tout, j'aime bien. Allez, vas-y, je vais mettre en bleu un petit peu pour changer. Voilà, au niveau des pioches, les gars, je fais vraiment rapide, comme ça dure pas trop longtemps. Les sacs, j'ai beaucoup de trucs en sac, hein. Voilà, j'ai des trucs qui datent quand même, hein. En vrai, je suis un ancien sur le jeu du coup, hein. Saison 2, j'ai commencé, je suis un ancien en vrai. Donc, le shuriken de glace que j'ai eu avec le skin du ninja, du grand froid. Roublard, mon petit husky. Les gars, hein, vous savez, sur le Snapchat de la chaîne, quand les familles gitanes me font péter un cap sur ce jeu, que ma malédiction est à son sommet. Je regarde des photos de bébé Yuski, gros, ça me calme, parce que sinon je vais refaire un putain de trou dans mon mur. Ceux sur le snap de la chaîne, l'avez vu le trou dans mon mur, les gars. Ajoutez le Snapchat de la chaîne, les gars, vous l'avez sur l'overlay en haut à droite, et aussi en description, avec en description le Discord du Xoxo Tournament, voilà, pour ceux que ça intéresse, si jamais vous voulez aller voir. Si jamais, voilà. Ok, je vous présente un peu tout ça. Le sabre Lupin, du coup, que je garde avec ce skin, parce que je trouve ça super bien ensemble, et avec, du coup, le faucon. Le faucon, il y a un katana. Ah là là, putain, qu'est-ce qu'il est stylé, j'adore. Il y a un katana, du coup, ça passe super bien avec le sabre Lupin, là, le katana. Le vengeur, c'est stylé, ça passe bien. Allez, je vous présente tout ça. Ça, je vois pas pourquoi c'est légendaire. C'est moche, c'est hyper moche. Qui a déjà mis ça, les gars? C'est vraiment laid. Le jeton doré, très sympa aussi, c'était avec le truc John Wick. Je crois qu'il écrit, ouais, John Wick. Voilà, merde. Ah merde, je voulais pas mettre ça. Je vais remettre le sabre Lupin. La celle du roi des glaces, là, la cape du roi des glaces, elle est sympa aussi, j'aime beaucoup. Le cadenas, sympathique, le bouclier. Voilà, voilà, les gars. Allez, on passe au skin, les gars, dernier truc. Donc, évidemment, la buteuse implacable, c'est celle, du coup, que j'avais offert à Pilou. La buteuse implacable que m'avait offert Alex. Alex qui détenait le record du le truc le plus cher qu'on m'avait acheté à 1200 V-Bucks. Mais, du coup, il a été détrôné par Nicolas. Parce que le faucon coûte 1500 V-Bucks. Nicolas est le seigneur un peu de mes abonnés qui m'ont fait des cadeaux. Allez, voilà, je vous présente tout ça un peu rapidement, les gars. Ah ouais, fin de saison 9, les gars, j'avais très très peu joué parce que j'en pouvais plus du jeu. Et du coup, je me suis fait violence pour avoir leur sorte de revêtement, là, tu sais, à eux. Et à elle aussi. Elle est bonne, hein, quand même. Et ça leur va bien, ces revêtements. Je m'étais fait violence pour faire les défis pour l'avoir. Du coup, voilà, hein, le classique. Le seigneur, il est là. Magnifique, c'était mon coup de cœur à l'époque. Incroyable, toujours aussi beau. Genesis du bunker, voilà. Gardien des clés que j'aime beaucoup. Garde estrier. Je vous montre un peu tout ça. Skin nordique, viking. Lui les gars, je l'ai vu que j'ai pas énormément joué à fin de saison 9. Je l'ai pas beaucoup avancé. Je l'aime pas, il est pas terrible ce skin. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je le trouve pas incroyable. Ensuite les gars, roi des glaces. Ouais, après c'est des classiques, hein, vous êtes habitués. Le prisonnier que j'aime beaucoup, roi des glaces, saison 7. Saison 7, c'était vraiment
une des saisons où j'étais au sommet, gros, j'étais fort et je l'aimais beaucoup cette saison. La map, elle était superbe. J'ai beaucoup aimé la saison 7. Voilà les gars, on a fait le tour de tout ce qui pouvait vraiment vous intéresser. Et après, au niveau des musiques, il y avait un abonné qui m'en avait offert une. Je crois que c'était Twist, je suis pas sûr. Je sais plus qui c'était cet abonné qui me l'avait offert, désolé. Hein. Mais ça fait grave plaisir en tout cas. Voilà, ma préférée c'est à l'abordage. Elle est un petit peu épique et tout. Bon, vous savez les gars que j'aime les trucs épiques. Voilà les gars, je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Je pense que là, on a fait le tour de ce qui était le plus important. Aïe, 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 aïe. Allez les frères, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les gars, pour me soutenir, ça m'aide beaucoup et ça me fait hyper plaisir. Le code créateur Xorox en boutique. Mettez le petit pouce bleu les gars, c'est gratuit. Ça revient toujours au référencement et tout. Ça fait grave plaisir si ça vous a plu. Allez les frères, en tout cas, je vous souhaite de kiffer la vie les frérots. Les vidéos du Xoxo Tournament vont arriver. Ça prend du temps, ça prend pas mal de temps. Il y a aussi prochainement une vidéo où je vais vous présenter mon jeu du moment que je surkiffe. Et vraiment, ça vaut le détour. J'espère que vous allez la voir la vidéo et tester ce jeu. Parce que vraiment, c'est pas mal du tout. Je pense que ça va vous plaire. Allez les frères, kiffez bien la vie. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.